nous avons toujours Salia D'Amido. Regardez ce qu'elle fait, je l'aime trop. En fait, Evie, ses regards qui se voilent. C'est pour ça que ça me gonfle. Je vais tourner derrière. Coucou mes bombes, j'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Alors là, j'ai pris une nouvelle habitude, mes bombes. Je fais ma douche, enfin ma grande douche avec mes grandes ablutions, le vendredi, les filles. Ça, c'est ma grand-mère. En fait, ma grand-mère, je l'ai toujours vu faire ça, les filles. Toujours, elle a fait ça le vendredi et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lavé les cheveux, les filles. Comme d'habitude, les filles, j'ai mis 30 ans de crème care coréenne, les filles. Vous savez, la skincare coréenne, les filles, c'est pas forcément s'appliquer plusieurs produits. Donc pour une skincare coréenne, il faut s'appliquer un toner sur le visage, une crème visage, crème de jour, pour celle du crème contour des yeux de jour. Il faut aussi mettre des pads, parce que les pads au collagène. Moi, vous me connaissez, les filles, je suis accro aux crèmes. Les routines skincare, que ce soit pour le corps, pour le visage, je suis accro. J'ai beau, mon visage, il est beau. Une belle peau sur mon corps parce que tout le temps, j'hydrate. Aussi, ce que j'aime trop, les filles, c'est le collagène parce que c'est super bon pour la peau. En poudre, ça existe aussi en France. Je le prends en shooter, c'est très très bon pour la peau. La peau, l'acide hyaluronique aussi dans les crèmes, c'est très très bon. Bref, j'ai fait ma vie. Faut appliquer de la crème, pourquoi? Parce que après vous avez des rides. Là c'est vraiment... vous savez qui est comme moi, Sarah de Classified Gain. Et je vous le dis tout le temps. Pourquoi les coréennes, elles font une skincare coréenne, elles s'appliquent plein de crèmes, de sérums. Les noires, pourquoi elles ont la plus belle peau du monde pour moi? C'est pour ça qu'elles ont une peau machallah. Mon dé, j'ai mal à l'ouvrir. C'est le Yaz, un stick de chez Isena Cosme. Il sent trop trop bon et en plus les filles, il est hydratant. Ça veut dire, là ça hydrate. Il y a de l'huile à l'intérieur, plus il sent bon, plus il fait déodorant et vous transpirez vraiment pas. J'ai une mauvaise expérience avec une marque et... j'ai repris les déos, mon savon, mais j'aime pas parce qu'il y a de l'aluminium dedans. C'est en notre marque. J'ai eu une mauvaise expérience, les filles. Donc ça m'a fait transpirer alors que je pue jamais. Soin, j'aime trop sentir bon, j'aime trop me laver. Bref. Et du coup, cosmétique, le Yaz, les filles. Je vous jure, c'est trop dommage que cette marque elle soit pas super connue. Elle mérite d'être super connue tellement que leur produit. C'est pas l'élixir, je l'ai cassé, les filles. Déjà, la marque m'en renvoyé un. Et ça, c'est. Oh! Il sent trop trop bon. Celui au Monoï, c'est Sinachi Paris, les filles. Bon, moi j'aime trop les odeurs de Monoï. Il fait sentir trop trop bon, les filles. Vous le mettez après la douche. Ça, je sens bon. En plus, c'est pas comme les autres muscles. C'est-à-dire qu'il est pas collant. Ici devant. J'aime bien en mettre pour sentir bon. Parce que l'applicateur, il est trop bien. Il est comme la crème. Après, sur les poignets, les filles, de parfum. Ça, vraiment, après la douche, l'élixir, mourir, il s'est explosé par terre. Bref, vous mettez ça, l'élixir, vous mettez votre musc Sinach Paris. Je vous ai donné un code hier, et là vous sentez. Vous chez le comptable, donc je vais me préparer, et après je rejoins ma salia d'amour. Et les filles, en dessous, le soutien-gorge que je porte, c'est Rosomia. C'est mes soutiens-gorge préférés. Là, je le porte en nude, les filles. Parlons de soutien-gorge. Avant, je me snappais en soutien-gorge. J'avais aucune pudeur, les filles. Vrai, il y a un an, deux ans et tout ça, normal, je me snappais en soutien-gorge. Franchement, j'ai fait du chemin plus classe qu'une femme avec de la pudeur. Avant, là, je vous l'aurais montré, normal. Bref, ils sont trop bien, ces soutiens-gorge. Ils soutiennent bien, ils font pas. Regardez les filles, j'ai mis un t-shirt. Là c'est mon bas primaire qui est trop bien. Et là vous voyez, on monte ma poitrine, il est trop bien. Alors que moi j'ai une grosse poitrine, les filles. En fait ils sont trop bien, vous allez les kiffer. Alors ils sont bien pourquoi, les filles? Parce que je vais vous en montrer un. Après j'en ai plein parce que je les ai intégrés dans ma routine. Je les mets tout le temps. Bref, donc c'est des filles. Vous voyez, il n'y a pas d'armature. Et
Vous savez que les soutiens-gorge d'armature, normalement, ils remontent la poitrine alors qu'il n'y a pas d'armature. Du coup, vous n'avez pas la compression ici des autres soutiens. J'aime trop, j'y arrive pas. Et ceux-là, les filles, je les sens pas. En plus, il y a un coup. On voit pas vos tétons. En plus, j'ai le problème de tétons, les filles. Vous pouvez l'enlever aussi, les coussins. Vous voyez, là, la matière, c'est une matière élastique. Donc, vous savez, les soutiens-gorge avec armature, ça fait sortir le bourrelet. Même moi qui suis fine, je l'ai le bourrelet. Bon, là, il est mal rangé. Je vous montre. Vous voyez, il n'y a pas ce bourrelet. On laisse plusieurs tailles, les filles. Moi, la taille que je fais, c'est une taille L. Voilà, je vous montre. Vous voyez? Mais en fait, moi, vu que j'ai une grosse poitrine et une taille... Donc, je vous disais, vraiment, ces soutiens-gorge, c'est des pépites. Donc, moi, j'ai la taille super fine. Mais je mets du L. Ben, du coup, moi, je le serre au maximum. Et du coup, vous voyez, ça prend bien mon tour de taille. Je tape au niveau d'ici pour bien remonter la poitrine. Vous ne les sentez pas, les filles. Ils sont confortables. Vous allez les kiffer, les filles. Vraiment. Donc, il existe en plusieurs couleurs. Donc là, moi, celui que je porte, c'est le nude. Il existe aussi en rose. J'en ai pas en rose. Et je vais vous montrer en noir. Les filles, c'est des pépites. Après, il y a plusieurs formes. Ils sont jolis, les filles. Ils sont trop, trop beaux portés. Ils font une trop belle poitrine, mais ils sont trop bien. Tous les vêtements, vraiment, les filles, vous allez les kiffer. Ils sont trop bien. Moi, maintenant, je mets que eux, les filles. Vraiment. Donc, sur leur site, les filles, il y a des packs. Et c'est ce que je voulais les kiffer. Et c'est pas la première fois que je vous les présente. Et tous les retours que j'ai eus sur Rosomia, les filles, c'est des pépites. Moi, depuis que je les ai testés, je crois que j'en ai plein. J'en ai plein et ils sont géniaux, les filles. Donc, les filles, j'ai une offre de moins 20%, les filles, sur tout le site Rosomia et même sur... C'est d'en prendre deux, les filles. C'est plus avantageux. Ça fait du bien, les filles. Je me sens toute propre. Bon, là, je vais fermer. Je suis comptable, les filles. Je vous dis la vérité, je déteste faire les papiers. Je hais ça, je déteste. Mais en fait, je suis obligée parce que là, je dois aller voir le comptable. Pour ouvrir mes comptes dans ma nouvelle banque Crédit Mutuel, puisque la BNP, je peux plus me les voir. La vérité, c'est ma mère, moi, qui s'occupe de tous mes papiers. Voilà. Ma mère, elle m'aide, hein, vous savez, elle ne travaille plus. Pour moi, c'est ma plus grande fierté, c'est ma plus grande réussite que ma mère ne travaille plus. Et je vous le souhaite. Je l'aime trop, il est trop gentil, hein. Ça fait longtemps, puisque c'est mon comptable, ça fait des années, ça fait au moins 6 ans. Il est trop bien. Puisque moi, comme je vais à Dubaï, j'ai plus la sécurité sociale et je paye tous les mois 300 euros social. Et même mes papiers pour ma nouvelle carte de vie. Franchement, tout ce qui est papier, tous les filles, je déteste. Je hais. Marc, my vaginam beauty et tout. Ça, j'aime trop gérer tout ça et tout. Ça me... C'est une angoisse. Mais là, j'ai pas le choix. Je peux aller voir le comptable. Bon, allez, je vais me préparer parce que j'ai rendez-vous à 14h. Alors, les filles, je vais me maquiller là. Je vais faire un maquillage vraiment rose bonbon. Alors, j'ai cédé maintenant devant vous. J'ai pris ce bronzer liquide, pareil, de chez Rare Beauty. On va tester ensemble. Je vais tester pour le blush, puisque le bronzer liquide, j'aime beaucoup. Je vais essayer... Enfin, ça, c'est un blush, les filles. C'est le Too Faced, le très, très rose. Attendez. Je vais tester ces deux, les filles. Rose. Bon, les filles, j'ai fait mes cheveux en 2-2. Je les ai juste séchés. Je vais faire le lisseur comme ça. Demain, ils ne sont pas gonflés. J'ai rendez-vous. Parce que voilà, j'aurais rendez-vous maintenant, mais je suis en retard. Mais c'est parce que c'est jour de prière. C'est pour ça que j'ai dû... Oh, je me suis tâte. Je vais faire un maquillage très, très rosé, les filles. Très, très, très rosé. Avec le blush rose. Moi, en liquide, je mettais que de la poudre. Et là, ben, je me suis habituée à mettre du bronzer liquide et ensuite de la poudre. Et j'aime mieux mon maquillage. Je vais m'habituer à mettre du blush liquide. Donc, je vais essayer. C'est pour ça que j'ai acheté le Rare Beauty. Donne-moi une bonne nouvelle. Bon ben mardi. Bon ben voilà, rendez-vous chez le comptable reporté. Je suis arrivée en retard. Donc je vous disais, les filles, voilà, les filles, je suis toujours en retard. Du coup, le comptable, il peut pas me recevoir mardi. C'est rien. En plus, vous savez quoi, les filles, hier soir, mon frère, il est venu me voir. Il est venu me voir à la maison. Et mon frère, il a été à la banque, là où je me suis fait... Écoutez,
En gros, on a un compte commun avec mon frère. Et du coup, il a été les voir par rapport à ça. Là, c'est parce que Maëva, elle a très très mal parlé. Alors, c'est vrai, les filles. Voilà, c'est pour ça que je me suis fait virer de la banque. Mais je n'ai pas parlé mal à mes banquiers. Mes banquiers, on s'entendait trop bien. Je les aimais trop. En fait, j'ai parlé mal au patron. Je peux pas dire, voilà, je l'ai traité de ça. Je lui ai parlé très 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 mal. En fait, quand j'ai vu mes vidéos là, j'ai appelé mon banquier, j'ai dit, passe-moi ton patron. Et je me suis énervée. Et du coup, j'ai tout pour dire au revoir et tout. Parce qu'on avait vraiment une bonne relation. Je les aimais trop et c'est pas leur faute. Mais j'ai très mal parlé. Vraiment. Et mon frère, il m'a dit, ouais, quand j'ai été les voir à Marseille et tout, ils m'ont dit que c'était pour ça. Moi, je le savais. Et mon frère, il m'a dit, bon, après, il a un peu rigolé et tout. Il m'a dit, la vie de ma mère, il a dit la tête de maman. J'ai insulté le banquier. Ouais. Enfin, pas mes banquiers, le patron de la banque. Et j'ai dit, mais c'est rien. J'ai dit, regarde, là, j'ai trouvé une banque mieux que eux. J'ai dit à mon frère, mais c'est rien. J'ai dit, regarde, j'ai trouvé une banque mieux que eux. Une banque qui investisse pas. Et là, c'est pour ça que je dois aller au comptable, s'ils doivent me donner des papiers. Et après, je dois donner pour ouvrir mes comptes au Crédit Mutuel. Comme ça, cette banque. En plus, vous m'avez dit. Bon, on teste. Non, je vais commencer par le bronzer liquide. Après, je vais mettre le bleu. Alors, je teste l'Aurore Beauty. Voilà, je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Et bref, mon frère, je l'ai lancé toute ma vie. Moi, j'ai qu'un seul frère, les filles. Et je l'aime plus que tout au monde. Trouver. Toujours, toujours, toujours. Bon, mais aussi, on a toujours trouvé. Et enfin, la personne de qui j'ai le plus peur au monde, c'est le bon Dieu. Et après, en fait, j'ai vraiment pas mis. Bon, mon frère, il me dit, ferme ta gueule, je baisse les yeux. Jamais un gros mot, jamais je hausse la voix devant lui. Hein. J'ai trop peur de lui. Hein. Tu peux pas faire ça. J'ai dit, ben non, tu me connais comment je suis. Voilà. Ils n'avaient pas quand même investir leur argent là-bas. Sans que... Les filles, ils s'estompent trop bien. 10 sur 10. Mais vraiment, ils s'estompent trop bien. Pépite. Pépite. J'étais en train d'appliquer mon blush. Du coup, c'est le Rare Beauty. J'en ai juste mis un peu comme ça, les filles. Vous voyez, j'en ai mis comme ça. Et je vous ai dit, j'estompe tout à l'éponge. Franchement, il est bien, hein. En fait, c'est bien le blush liquide comme ça. Les filles, vraiment, j'ai un problème avec les horaires. Non, aujourd'hui, c'est pas ma faute. Mais là, j'ai appris à être à l'heure et tout, les filles. Mais là, c'est pas ma faute. Je devais faire mes grandes ablutions les vendredis. J'irai mardi. De toute façon, j'ai encore deux mois, mes comptes. Voilà, BNP là. Je me les vois. Après, avec la houppette. La houppette. On va. Je vais essayer la plus claire. Là, c'est vraiment un test, les filles. Ou pas ce que j'ai fabriqué moi-même. Là, en fait, je vous explique. C'est le prototype d'une poudre libre. Alors, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop rosée. Je vais la renvoyer au labo. Attendez. J'en mets dans un bouchon avec la houppette. Et là, je teste, j'envoie au labo, c'est moi qui fais mes pigments, c'est moi qui choisis tout. Elle est trop bien. Attendez, comme je veux qu'elle soit parfaite, je crois qu'elle est trop rosée. Parce que moi, quand je sors un produit Maëva Guinan Bucci, faut pas que je me manque, les filles. Parce que moi, je sais très bien que poudre lime, c'est mon best-seller, les filles. Mais là, c'est une nouvelle teinte que je sors, pas une nouvelle formule, parce que ma formule, elle est trop trop bien. Elle file. Attendez. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Qui? Attendez, attendez. Je finis mon make-up. Là, on va mettre du bronzer. Je vais faire vraiment le make-up rosé à la mode. Ok, les filles? Un peu de bronzer. Oh, mais je commence à aimer. Oh là là, c'est trop beau. Les maquillages rosés comme ça. C'est vos conseils. Là, c'est vos conseils. Attendez. Là, on va mettre ma poudre libre.
Là, c'est la Macha. Bon, elle est en rupture de stock, les filles. On est d'accord, les filles. J'ai pas le bon... Bon, c'est pas le bon pinceau là. De la poudre libre rose ici. Je crois que j'aime les blushs en crème, c'est bon, grâce à vous. Et le maquillage très rosé. Je crois que ça va être mon nouveau maquillage. Moi d'habitude, c'est très, très foncé, très. Et là, faire aussi les filles, c'est appliquer du bronzer, le même que j'ai mis. C'est très joli. Les filles, j'aime. Ma nouvelle formule de ma future poudre libre. Enfin, j'aime la couleur parce que c'est la même formule. Les filles, je viens d'inventer une pépite. Je deviens folle, je crois, les filles. Je deviens folle. Les filles, j'aime trop très très rosé. C'est un maquillage vraiment rosé. Alors que moi, avant, je mettais du... Oh là là. Oh là 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 là. Attendez, je mets un peu d'highlighter. Mon pinceau highlighter. Mais si c'est une catastrophe, faut que j'aille les faire. Un peu d'highlighter. Je fais mon trait de liner et je vous montre. Bon les filles, je suis trop contente que là, c'est bon, je l'envoie en fabrication. Je n'ai pas besoin de la tester plus longtemps. Pourquoi? Elle est trop bien, ma poudre libre. Donc, oulala, j'ai les cheveux trop plats là. Donc, en fait, comment je fonctionne? L'usine, là où je fabrique le maquillage, je fabrique la couleur que je veux. Aussi, 20% de ça, nanana. J'envoie le prototype et c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Et là, j'ai reçu ce mat moi-même avec vous. C'est vous qui m'avez dit, fais une poudre libre. Je vous dirai quand ça sort, les filles. Le bon Dieu, il me donne la baraka dans mes projets. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Voilà, les filles. Je suis de bonne humeur, les filles. Je vais rejoindre ma saga. Je vais juste passer le lit racine plate. Donc, je vais lisser. En fait, avant, je faisais voilà, le séchoir comme ça. Et là, le lendemain, quand je dors, je me lève, j'ai les cheveux en pétard. Donc maintenant, je fais quoi, les filles? Je fais le lisseur. Que le premier jour, là où j'ai lavé mes cheveux. Donc je fais le lisseur et je les lave deux fois par semaine, mes cheveux, parce que moi, j'ai les cheveux fins, comme ça, ils ne graissent pas vite. Et après, demain, quand je faisais juste le séchoir, c'est aussi une astuce que je vous donne. Et le lendemain, je me réveille, j'ai les cheveux en pétard, les filles. Et là, je le fais qu'une seule fois, le lisseur. Après, juste, je démêle mes cheveux. Parce qu'après, le lisseur, même si elle a trop maligne et tout dans le lisseur que j'utilise, ça va voir ma saga, je suis trop contente, elle m'a trop manqué. Je ne l'ai plus vue depuis Dubaï. Oh, il est beau mon make-up, je me trouve belle. Et les filles, Aya, elle a écrit pour moi, c'est pas possible. Faut qu'on l'écoute ensemble. Je vais faire que l'écouter en boucle, moi dans deux jours, je la connais par cœur. Je crois que je t'aime. Je vais changer de vie. Ce que je devais voir, je l'ai vu. J'ai comme moi ton bel âme. Elle est trop forte. J'ai demandé que je fais du signe. C'est là contre nous t'as déclaré la guerre. T'as une sirène, tous les deux je racolais. Il a la jeep, il facile, je me donne 10 sur 10. Il machine, je m'y machine. Elle a sorti au bon moment. Ma rupture. Ma brise. Non, mon ex, c'est nouveau maintenant. Moi, je l'ai jamais tué pour les caméras. C'était pour le caméra, le caméra, je m'en chèque, j'ai éteint. Toi, tu doutes pas, j'ai. Elle est triste, c'est pas grave. Elle est trop forte, on a remis tout, les filles. Je crois que je t'aime. Je change de vie de numéro. Ce que je devais voir, ben je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande c'est qui Michel. Tu me dis que je suis ici. T'as déclaré la guerre. T'as une sirène, tous les bouts je racolais. Facile, je suis une hit machine. Facile, je suis une hit machine. Tu sais que mon Dieu va être très bien là-bas. Tu voulais un truc blanc?
Je suis le meilleur cadeau. Je me dis, t'as perdu la meilleure des choses dans la vie. Ouais. Je me suis mise en bombe en pétard, mais du coup le bouc est fâché. J'ai des il aimait trop les bêtises, faisait trop de bêtises. Les filles, vraiment, j'aime trop cette musique. Et vous m'avez envoyé plein de messages. Il y a plein de filles qui vivent des ruptures, comme moi. Mais en fait, je vais vous donner un conseil, les filles. Soyez là pour lui. Faites tout pour lui. Soyez une femme parfaite. Vraiment. Comme ça, si un jour il se... Parce que vous allez savoir que ben, c'est lui qui a perdu une belle personne. Et lui, il va être dans le down. C'est tout. C'est pas que là, je m'en fous. J'ai comme retrouvé la vie. Je demande c'est là qu'on nous t'a déclaré la guerre. T'as une sirène, tous les bouts je recollais. Il a la digue facile, je suis une idée. Il lâche, je suis une idée. Je suis une idée. Je suis une idée. Je suis une mon ex était un mec bien qui est devenu un... C'est un mec qui t'aime quoi, je dis. Au final. Les gars, je me suis mise en bombe en pétard. Mais du coup, le bouc est fâché. Il aimait trop les bêtises. Les êtres de bêtises. Les bêtises. Les bêtises. Les êtres trop les bêtises. J'avais pas l'air d'être de le faire. Oh là, je suis tombée. Je vais écouter en boucle, j'ai envie d'écouter à fond. Je crois que je t'aime plus. Je vais changer de vie depuis. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui me chie. Avoir les racines gonflées. Je crois que j'ai mis des trucs ici. C'est l'heure de la prière. Ça va ou quoi? Ça, regardez qui est là. Salut la communauté Maïva, ça faisait longtemps. Hein. Tu l'as vu? Regardez comme elle est trop belle. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas en fait. Bon, les filles, je fais du shopping avec ma Saya. T'es contente pour ma Saya? De ce qu'elle est devenue. Moi aussi, je suis trop fière. Écoutez-moi, elle m'a fait la morale, on était dans la voiture. La vérité. Elle m'a crié dessus. Tu aurais pu, Allah, il aurait pu encore te laisser dans ton égarement. Bien le savoir, ça. Et comme j'ai dit à Maïva, c'est pas la notoriété. Connue. Vous savez, carrément même, la première. Et vous savez qui c'est qui m'a préparé, qui m'a prêté son sac ici à Laurent que j'ai cassé? C'est ça. Mais avant même d'être. Je la connaissais avant même d'être connue. Je suis très fatiguée. Salia. C'est Maïva, eh oui. Attendez, madame, je vous rassure, elle est vraiment comme ça, comme sur ses réseaux. Folle, elle est folle. Non, mais c'est la meilleure. Petit gaga. Eh bébé, on est toutes les deux gaga. Lui dit, vous êtes Salia et tout, Salia, elle dit oui et tout, nanana. Bref, elle parle, elle dit, mais... Je savais pas quoi lui répondre, en fait. Je suis comment, en fait? Elle m'a dit... Les filles, on s'est posé avec Salia, là, manger une crêpe. Écoutez-moi, elle est en train de me raconter, la centre Veta. Je savais que je devais y aller. Même pas quand on est venu à parler de ça, que je te dise de j'ai... Par rapport à l'autre fatiguée qui est venue te voir. Ouais. Et je dis à Salia, c'est j'ai souffré des gens et tout. Et aujourd'hui, ils ont annoncé... Ils ont fermé tout leur centre. Ça veut dire tous les abonnements que les gens, ils ont pris, eh ben, ils ont cramé tout l'argent. Plus. Je vous jure. J'ai dit, Maïva, tu vas faire cette pub. J'ai dit, moi, j'ai fait l'erreur de les présenter pendant 2 ans. Il n'y avait aucun problème. Et la finalité, ils ont voulu la faire en soupçon, mais dans mes oreilles. Donc moi, dès que c'est venu à mes oreilles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai alerté ma communauté. Je leur ai dit, allez-y, portez plainte et allez-y demander remboursement. Mais eux, quand ils ont vu que moi, j'avais collaboré avec eux parce que c'est des escrocs, ils ont fait appel à qui pour représenter Marseille? À Maïva.
Et regardez, ça n'a pas loupé. Parce qu'aujourd'hui, ils ont posté comme quoi ils ont fermé tout leur centre et qu'ils ont mis leur centre. Voilà. Ouais. Ces gens sont pas miroirs. C'est chaud. Et heureusement qu'elle m'a dit ça et que je l'ai pas fait. J'allais aller. Je peux plus, les gens. La race humaine, je peux plus. Très fatiguée, moi. Voilà, il faut pas trop m'en demander. Voilà, j'ai mal à la tête. J'ai mal aux yeux. J'ai le corps, il est très très faible. J'arrive plus. Voilà. C'est bon. Bon, les filles, là, on est chez Sephora. On regarde, là je vois. Et après vous savez on va faire quoi? On va s'acheter quoi Salia? Et là Isaïe me dit on va s'acheter quoi avant de partir? Les pyjamas. Voilà. Ah oui, moi je suis une acheteuse de TikTok. Voilà. Cette base sur TikTok. Je suis avec Estelle. Je l'aime trop. Celle qui me sert à mon Sephora préféré. Ils nous ont fait des cadeaux à toutes les deux. Moi c'est mon Sephora préféré. Regardez les filles. J'ai pris la milk. Comme ça. Regardez ce qu'ils nous ont offert. Moi et elle, c'est la bagarre. Oui, la bagarre. Bah, bah. Qui c'est qui va mettre la carte la première? Je voulais acheter la petite palette. Vous avez le petit miroir avec le Yves Saint Laurent? Ah oui. Non, et pas pour se maquiller, juste pour avoir le miroir Yves Saint Laurent. Ils nous devons faire les nouveaux parfums de Dior, ils sont pas mais encore pourquoi sortis. Pourquoi il n'y a pas le Yves Saint Laurent là? Je suis très faible. Regardez. C'est toi et moi? Non, non, c'est bon, moi. Je veux, j'ai plus de place, moi. Quoi, les joggings, Sadia? Tu prends un pantalon comme ça. Ouais. Comme ça, ça y a les jogging. Regardez les pyjamas comme ça, les filles chez Hyundai, ils sont trop bien. Très faible. S. Bon, on vient de rentrer à la maison. Tu fais ta prière. Mais tu as tout compris. Ça, ça me fait plaisir parce que, je te la vérité, c'était une déception pour mon mari au début. Ah, mais c'est pas que pour toi. Hein. Combat. Oui, parce que toi, tous tu les jours, C'est sa mère. C'est normal. Si toi, tu le fais pas pour ta fille, c'est qui va le faire? Personne. Bon les filles, je vous explique, je suis en train de me préparer parce que ce soir je vais manger avec Salia au resto. Je me prépare et j'ai envie de mettre ma robe de chez Classic Fit Gain parce qu'elle est vraiment trop, regardez comme elle est trop belle. En fait, à l'intérieur, regardez, il y a une gaine. Du coup, regardez le corps qu'elle fait, encore plus la taille les filles. Regardez, c'est une longue robe moulante. Et regardez, j'ai une taille. Elle m'affine encore plus la taille. Mais c'est pas que ça, les filles. C'est que en fait, elle se met de plusieurs façons. Je vais vous montrer. En plus, il y a des coussinets, donc pas de tétons qui pointent. Donc déjà, regardez, je vous montre. En fait, en dessous, les filles, vous avez une gaine qui monte jusqu'ici, qui est accrochée dans la robe. Et en fait, la robe, vous la mettez par le bas. Et regardez le corps de fou qu'elle... Donc soit par exemple les filles vous la mettez comme ça, vous faites un nœud et là du coup en fait c'est une robe que vous pouvez mettre de plusieurs seules robes. Donc soit vous la mettez comme ça, très jolie, bon avant j'aurais laissé le décolleté mais plus maintenant, lâchez je pense aujourd'hui les filles, soit vous la mettez par exemple comme ça, soit vous la mettez comme ça, ou alors les filles, je vous montre en fait ça fait des manches. Les filles, je vous jure, c'est une pépite, c'est vraiment une robe à avoir. Regardez, je me mets sur un mur. De toute façon, les filles, c'est vraiment une pépite. Il y a une gaine intégrée. Donc, si vous avez des bourrelets ou quoi, ça aplatit le ventre. Vraiment, regardez-moi la taille comme ça me l'affine. Et en plus, vous pouvez la mettre de plein de façons. Il y a des coussinets intégrés, donc super bien pour cacher les tétons. Vous pouvez la mettre comme ça. Regardez, là, ça fait super classe, les filles. Vous voyez ça, une petite queue de cheval, cheveux lâchés, hein. Ou alors comme ça, elle est trop trop belle, elle fait un quoi, il y a une gaine dedans, donc si vous avez des bourrelets, vous avez le ventre un petit peu, eh ben ça va aplatir votre ventre et on voit rien, on la voit pas la gaine en dessous, je la mets. Et ton père fait des colliers encore ? Ma tenue pour ce soir les filles, du coup je vais mettre ce petit sac Chanel puisque j'ai des boucles d'oreilles dorées. Ouf qu'elle fait les filles, parce qu'il y a une gaine intégrée, vraiment ça va du S au XL. C'est voilà, je trouve que ça fait super classe. Je mettrai un long manteau, petit sac Chanel, voilà, je suis prête. Donc voilà, je suis prête moi. Et sinon les filles, franchement cette robe vous allez la kiffer, vous savez pourquoi? Parce que en trois façons différentes et en plus elle fait encore de fou hein. Regardez avec la gaine intégrée, 25% de réduction et aussi Classific Gain, vous connaissez les corsets et tout, moi je les mets chez eux, j'aime trop trop cette marque, elle va en Colombie et tout, et
C'est trop trop forte. Bref, 25% sur tout le site, les filles. Bon, les filles, je me repoudre et on y va. Anniversaire, moi, c'est Rachida. Salia, elle aime pas. Pourquoi tu aimes pas? Parce que c'est haram, déjà, on fait pas les anniversaires. C'est vrai? Exactement. Ah ouais? Exactement. Ils lui ont fait un repas. Non, c'est ma copine qui veut me faire le geste, Rachida. Trop mignonne. On va parler comme ça. Pourquoi? Tu vas dire au resto? Mais non. Ouais, je t'ai fait des cours. On va dans un restaurant normal. Genre nul, genre. Non, pas nul, mais on va dans un restaurant normal. Je suis même pas habillée, moi. Ah ouais? Rachida, elle a une veste Adidas. Ah ouais? Arrête d'inventer, vas-y, change-toi. Quand tu fais ça, tu vas dans une méchante soirée. Ah ouais? Mais là, on va dans un restaurant, vas-y, mets-moi une. Ouais, mais ça y est, me dit restaurant. Non, moi, non, je vais en bombe, je sors The Robe, ma robe préférée du monde. Toi, tu arrives en bombe et nous, on a pas du tout, arrête d'inventer. Bon, les filles, je vais me changer. Faible. Moi, elle me dit quoi, Salia? Elle me dit ce soir on va au resto et tout. J'ai dit ça va, y'a pas de problème. Or, la The Robe. Je vais vous donner un code promo, c'est vraiment The Robe. Wesh, j'ai compris. Qu'elle met. Bon, les filles, je me change. Ben, je me rhabille comme tout à l'heure. Hein. Je vais, c'est vrai, je vais pas aller habiller comme ça alors que Salia, et c'est comme tout à l'heure. C'est bon, Salia m'a fait la crise, les filles. Elle m'a dit j'enlève mes fesses. J'ai diminué mes fesses. Vulgaire. Ouais, elle m'a dit j'enlève. Je les cache, hein. Non, mais même si tu les caches, ça se voit. Tu peux même. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus à son image. Non. Donc. Je vais diminuer. Parce que là, franchement. Parce que ton corps, il est bien, tiens, beaucoup. Parce que c'est vrai, en fait, comme avant, j'étais grosse, ça faisait pas à chauffer. Mais de mais là, derrière, c'est horrible. Ouais, on va parler plus, on va parler bien. Il faut qu'elle enlève, parce que franchement. Ça fait trop vulgaire. Voilà, c'est vrai. Tu vas être mieux, ton cœur, il va être nickel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, là. Non, mais si. Non, mais ça, je les montre pas. Ça va être plus joli. Bon allez, et on va au resto. Je remets ma tenue tout à l'heure. Après, j'irai manger la journée, gros. Ania, comment tu vas vous présenter Marseille? Ah, je vais vous présenter Marseille à Paris. Vous avez pété. Comment allons-nous? Bagdad, c'est Bagdad. Scala sous le pic-sac. J'ai... Les filles, je connaissais pas du tout ce resto. Et franchement, c'est incroyable. Les filles, je viens de rentrer à la maison. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. Mais la vérité, les filles, les restos ambiancés, c'était bien. C'était un bon resto, c'était très bon. En plus, c'était halal et tout. Je crois, depuis que je bois plus, les filles, je sais pas, genre, je rigolais, je me suis amusée et tout, mais je préfère un resto. Les filles, vous avez vu l'autre, elle a porté plainte contre moi pour menace de mort. Ça parce que je lui ai insulté ses morts. Mais il y a une différence entre insulter tes morts et te menacer. N'importe. En fait, il n'y a pas une loi pour abus de plainte. Je comprends pas. En fait, vous savez, là, ce que je me dis, déjà, ça me fait trop. Et en plus de ça, je me dis, comment j'ai pu, pendant toutes ces années, avoir les filles. Tout, c'était ma soeur, c'était on dormait ensemble. Vous savez, je vous avais dit, je lui ai offert 300 000 euros, 130 000 euros, tellement que je la considérais comme ma soeur, comme par Allah. Et là, elle s'amuse à porter plainte, mais elle croit que ça m'atteint, elle croit vraiment que j'ai peur. Mais elle croit quoi? Que je vais finir au décès mort parce qu'elle me doit 500 000 euros et qu'elle me répond pas au téléphone? Elle croit quoi? Oui, les messages, je les ai faits avec ma voix. Mais elle croit, mais je sais pas, en fait, elle abuse des plaintes. Je vous jure, elle porte plainte. C'est un truc de fou. Alhamdoulilah, le bon Dieu m'a enlevé ce voile. J'avais un voile. Même quand elle était indéfendable, c'était... moi, je la considérais vraiment comme ma soeur. Elle,
elle me voyait comme sa poule aux yeux d'or, c'est tout. Juste elle disait, elle utilisait mon image, c'est tout, c'est tout. Elle a jamais été sincère avec moi. Et sortie de ma vie, aujourd'hui je me dis mais merci mon Dieu que j'ai ouvert les yeux, que j'ai... Il lui a tout enlevé, tellement qu'elle est mauvaise. On le voit sur son visage, elle est mauvaise, elle a le visage, il est noir. Elle a l'argent dans le... arnaquer ses amis. Elle... Moi, j'étais amie sincèrement avec elle. Elle, non, elle, juste, elle m'utilisait. Regardez le bon Dieu. Plus rien. Il lui a tout enlevé. Tout. Tout, 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 tout. D'où il est. Regardez. Elle me disait, sans moi, tu seras rien. Tu pourras... Mais si j'avais su, je l'aurais fait il y a tranquille que depuis que je suis toute seule. Si j'avais su, mais c'est pas grave, je regrette pas tout le bien que je lui ai fait. Je me remets à Dieu, je laisse tout entre les mains. Et regardez. Regardez. Je vous jure d'encore arnaquer, de vendre des parts de sa société qui vaut plus rien. Alhamdoulilah. Bon bref, je m'en fous d'elle. Sinon les filles. Ça m'a fait plaisir de passer la journée avec Salia, de l'avoir retrouvée et tout. Ça a connu. Et ça a toujours été comme ma grande sœur. Ensuite, ben, on s'est éloigné et tout ça. Et là, de la retrouver, ben, ça m'a fait trop du bien. Salia, je l'aime de tout mon cœur. Vraiment. On a passé une trop bonne journée. On a trop bien. Bref, on a prévu de faire plein de choses. On va vous faire un concours. On va le faire ensemble. De faire un voyage humanitaire ensemble. Voilà, je suis trop contente de l'avoir retrouvée. Et ça me fait plaisir parce que elle m'a dit qu'elle est moi, parce que on s'est éloigné, parce que genre, elle le voyait, j'étais complètement égarée. Hein. Et c'est vrai, hein, les filles. C'est un truc de fou. Tout ce qu'elle m'a dit, les trois prénoms qu'elle pouvait pas se voir, qu'elle me disait méfie-toi, méfie-toi. Moi, je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est mes soeurs, jamais. Ils m'ont fait. Les trois. Elle me dit, Maëva, je les sens. L'autre, elle est jalouse de toi. L'autre, elle... Ça veut dire, alors là, écoutez-moi, hein, ces conseils, je les prends au pied de la lettre. Hein. Oh, vraiment. Bref, ça m'a fait trop plaisir, je l'aime trop.